comprendre tout l'historique, je dirais, de l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo, tous les jalons qui ont été posés tendent à montrer que la CPI ne va pas vraiment dire le droit, mais joue plutôt le rôle d'un habillage judiciaire d'un problème politique. D'abord, M. Gbagbo a été conduit à La Haye dans des conditions parfaitement illégales depuis son pays. Second point, lors de la première audience de confirmation des charges, deux juges étaient contre la confirmation des charges. La logique aurait été que les poursuites soient suspendues. Il y a eu une procédure assez particulière visant à donner un sursis à Madame le procureur pour faire un complément d'enquête qui était quand même engagé depuis 18 mois. Et que suite à ce complément d'enquête, il y a eu une décision confirmant les charges qui a été prise sans que soit tenue l'audience. Un autre détail qui est tout à fait étrange, c'est que alors que un juge allemand, une fois de plus, a été remplacé au tout dernier moment, quasiment 15 jours avant l'ouverture du procès, par un juge italien, M. Tafusser, qui depuis a été promu à la tête de la Chambre. Tous ces faits montrent que finalement, les démarches de la CPI ressortent plus du règlement de compte politique que de la volonté de juger sur la base de faits réels.